Vincent Niclot, merci d'être là, parce que là, c'est effectivement encore un événement. Le deuxième album de chansons, à toi, on va dire. Oui, c'est vrai. Pour toi, écrite par le plus grand, Obispo, enfin des plus grands auteurs contemporains, compositeurs, avec Florence pour les textes, pour la plupart. C'est le deuxième album original, on va dire, après tous tes albums de voix, de reprises, etc. Et comment tu te sens dans cette peau de chanteur à part entière ? Je me sens bien, en fait. C'est lui qui a réussi à me faire sentir bien. C'était difficile pour moi d'aller dans un univers très marqué. Oui. Parce qu'il a un univers vraiment à lui. Et c'est vrai qu'on a tous un peu d'Obispo en nous. Hein. Il a fait tellement de tubes. On avait collaboré ensemble dans le dernier album. Et là, du coup, il m'a dit si on faisait tout l'album. J'ai dit, ben, c'est génial, on est parti. J'avais un petit peu peur parce que c'était difficile pour moi de savoir si j'arrivais à trouver ma place dans son univers. Mais il a été parfait, il a été vraiment tellement... T'as guidé ? Ah, vraiment, vraiment. Il m'a amené un nouveau phrasé, il m'a amené une nouvelle... Même dans la couleur de ma voix, il y a des moments où j'avais jamais exploré. Il t'a fait découvrir un peu ta exactement, voix. Oui, ouais. Vraiment. Et puis c'est un album tout en finesse. C'est plus introspectif, je suis assez pudique comme garçon. Et là, je suis allé, grâce à Lionel Florence, grâce à ses mots, aussi la douceur de Pascal dans ses mélodies, j'ai réussi à vraiment me livrer un petit peu plus. Ça parle de beaucoup de choses, de sujets sur la famille. Oui, beaucoup, beaucoup. Mmh. Je parle de mon père, je parle de mon frère, je parle des amours déçus ou pas. Enfin, je parle... Il y a des thèmes aussi inspirés des thèmes contemporains de notre vie. Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Il y a une chanson que j'adore qui s'appelle « Les jours sans ». C'est les jours où on rentre chez soi et il n'y a personne et on se dit... Bah oui, qu'est-ce que je fous là ? Ouais, c'est ça, on se remet en question. Il ne faut pas croire parce que tout est bien pour moi en ce moment, mais des fois aussi on a des moments de faiblesse comme tout le monde. 5.0, donc comme cinquième album et Obispo. Là, ça va être, après ça, repris en tournée, puisque tu vas être aussi bien sur scène. Oui. Sur scène à Pleyel, alors ça c'est une salle musicale. C'est vrai, le 4 mars à Pleyel, c'est une salle que j'ai jamais faite. Elle a un bon son, j'imagine. Exactement, c'est pour ça qu'on y va. Et puis après, il y a toute une tournée qui va démarrer en février 2017. Voilà, et puis on donc, Pleyel, c'est quel jour ? Le 4 mars. 4 mars, pardon. Oui. Voilà, Vincent Niclot sera en tout cas à Paris, à Pleyel, au mois de mars. Et puis son album vient de sortir, 5.0. Et c'est un bel album. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas dire les choses qui font rêver avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire. Je sais pas dire ces vers que j'ai pas lus, parce que j'ai toujours su qu'ils servaient qu'à mentir. Je sais pas faire ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevés, même s'ils ne sont pas sincères. Je sais pas être autrement que je suis. Parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie. Même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître,